Cité du Vatican, 4 mai 1998. Il est un peu plus de 21h. Trois corps sont découverts dans les appartements privés de la garde pontificale suisse. Ceux du commandant Alois Esterman, de sa femme Gladys et du vice-caporal Cédric Tornet, un jeune Valaisan de 23 ans. Très vite, la mère de Cédric Tornet est informée du drame par le curé du village à Volège-en-Valais. Dans un premier temps, il nous dit que il est arrivé quelque chose de grave, quoique Cédric était mort. Je dis, c'est pas possible qu'ils soient morts, que je l'avais parlé donc le jour même. Et je dis, il est mort de quoi? Il a un accident? Tout de suite, j'ai vu une catastrophe, bien sûr. Et il me dit, non, il s'est suicidé. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Avant de se suicider, il a tué deux personnes. Au même moment, le Vatican se dépêche de téléphoner au secrétaire des évêques suisses à Fribourg. C'est le chapelain de la garde suisse, Monseigneur Alois Yellet, qui est là et il me dit, est-ce que tu es assis? C'est dramatique. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dramatique? On pense d'abord au Saint-Père, quelque chose comme ça. Il dit, nous avons eu un meurtre. Un meurtre? Comment? Ah, le colonel est mort. Sa femme est morte. Et un garde est mort. On pense que c'est la garde, tu la connais, c'est Cédric Tornet. Oui, je le connaissais. On pense que c'est lui qui a tué. Le Vatican ne perd pas son temps. 3 heures après le drame, il convoque la presse. Devant 200 journalistes, le porte-parole du Saint-Siège donne déjà une version tranchée des événements. I dati delle autopsie probabilmente non cambieranno. Les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée, qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse, et qui est celle d'un accès de folie qui s'est développé dans l'esprit d'un garde, plein de ressentiments. Dove covavano dei pensieri. Il pensait qu'il n'était pas suffisamment considéré et se sentait dévalué au sein du corpo. Valutato nel corpo. 3 heures après le drame, sans aucune enquête, on sait déjà tout. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut l'admettre? Ce n'est pas troublant, c'est révoltant. Il aurait fallu être plus prudent et se dire que dans un drame où on n'a aucun témoin oculaire, eh bien, il fallait enquêter avant de désigner les coupables. Pour le Saint-Siège, il s'agit de régler le dernier chapitre de cette tragique affaire. Et le pape lui-même vient se recueillir sur les 3 cercueils. Mais cet empressement n'enlève pas les doutes qui naissent chez la mère de Cédric. Le chapelain m'appelle et il me dit que c'est pas la peine que je vienne à Rome, qu'ils n'ont pas besoin de moi et que de toute façon, Cédric s'étant suicidé d'une balle dans la bouche, sa tête avait explosé. Là, j'ai dit c'est pas normal, on me veut pas, pourquoi on me veut pas? Je lui redis que moi je veux être sûr que dans le cercueil qu'on va me remettre, c'est Cédric qui est dedans. J'ai dit, mais moi je vois un orteil de Cédric, je le reconnais. Le 6 mai, Muguette Boda se rend à Rome et assiste à la messe de sépulture de son fils. Là, on lui ferait une proposition étrange qui ne fait qu'augmenter sa méfiance. Après être sorti de la chapelle ardente, le père Trofère m'a parlé devant témoins, il y avait quand même plusieurs personnes, que le mieux pour moi serait d'incinérer Cédric. Comme ça, je pourrais rentrer avec l'avion et l'urne sur mes genoux, je le maintiens fermement. Elle dit que j'aurais insisté que son fils soit incinéré. Pour moi, je dois dire très nettement, il n'y a pas de souvenir que j'aurais fait cela. Et une telle prétention m'étonne beaucoup parce que tout le monde, ça étonne d'ailleurs aussi mon entourage, parce que c'est connu que je suis en principe contre l'incinération. J'en fais pas une question de foi, mais j'ai des raisons très personnelles d'être contre. Deuxièmement, j'aime les films policiers et les romans policiers, donc je ne ferai aucunement quelque chose, et ça serait évidemment une indice énorme, qu'on veuille éliminer des preuves. Preghiamo.
O Dio, tu solo puoi darci una vita nuova, al di là della morte. Concede ad Alois e Gladys, che sono vissute dalla fede del Signore risorto, le commandant Alois Esterman et sa femme Gladys ont droit, s'est unis dans les annales du Vatican, à une messe donnée à la cathédrale Saint-Pierre, en présence des plus hautes autorités vaticanes, à commencer par le secrétaire d'État lui-même, Angelo Sodano. Per tutti i secoli dei secoli. Neuf mois plus tard, nous sommes en février 99. Le Vatican clôt l'enquête. Dans son bulletin officiel, le Saint-Siège dépeint Cédric comme un garçon atteint psychiquement. Il confirme la version du premier soir. Cédric tuer le commandant et sa femme, et s'est donné la mort. L'enquête vaticane retrace même les derniers instants du drame. Il est 20h58. Les époux Esterman sont dans leur appartement. Gladys Esterman répond au téléphone. Un ami italien veut féliciter son mari pour sa nomination. Une sœur religieuse témoigne qu'elle a entendu des pas pesants d'une personne seule qui montait l'escalier. Version officielle et définitive du Vatican pour le Saint-Siège. L'affaire est désormais classée. Pas question pour la mère de Cédric d'avoir accès au dossier du Vatican. Mais Muguette Boda n'abandonne pas la partie. Elle fait appel à deux ténors du barreau français, Jacques Vergès et surtout Luc Brossolet. Pour essayer de convaincre le public de l'exactitude de la version officielle, on a sali Cédric. On en a fait un psychopathe, on en a fait un garçon déprimé, on en a fait un garçon qui travaillait pas, on en a fait un garçon qui se droguait, alors même que ça ne correspond à aucune réalité. Donc il y a quelque chose qui est, de ce point de vue-là, encore plus intolérable pour la mère. Non seulement on sélectionne un nombre d'informations que l'on donne au public, mais en plus on lui dit, pour le reste, on ne vous donne pas accès au dossier. Donc cette mère devrait se satisfaire de quelque chose qu'on lui impose, qu'elle n'a pas les moyens de vérifier, et le tout s'accompagnant d'un portrait tout à fait détestable de son fils. En classant l'affaire, le Vatican n'a pas mis fin aux nombreuses questions qui restent sans réponse. Mais d'abord, qui était vraiment Cédric? Les rumeurs les plus folles ont couru, même celles de son homosexualité. Pour cerner sa personnalité, Valérie, son amie, celle à qui il a offert une bague de fiançailles, quelques semaines avant le drame. Cédric, Cédric nous a parlé du fait qu'il était mon fiancé, était un garçon très gentil, très attentionné. Molto gentile, molto premuroso verso tutti, rispondeva un successo in qualsiasi posto andasse. Aveva molti amici, era molto gentile e voilà ce dont je me rappelle. Beau à l'extérieur, bello parce fuori, che c'était vraiment un très beau garçon. Ragazzo, et par-dessus tout, beau à l'intérieur. Dans certains livres consacrés à l'affaire, on a dit que Cédric était homosexuel. Sì, questa è una cosa che hanno detto molti, ma considerando come faceva l'amore con me, l'amour, posso assicurare che non era assolutamente omosessuale, anzi, moltissime ragazze che gli andavano dietro, che lo corteggiavano, quindi assolutissimamente no, questo non è, assolutamente pas vrai. Non è vero. Questa è la foto a quale sono più affezionata di tutto l'album, c'est la photo perché comunque è stata la foto che per un anno e un mese ho tenuto sulla mia scrivania. E ce la siamo fatta proprio nel primo periodo che stavamo insieme, quindi proprio di un innamoramento più bello. E ogni volta che tornavo a casa et la vedevo, fois que je rentrais à la maison, je la regardais. Pour moi, cette photo symbolise vraiment l'amour que j'ai éprouvé pour ce garçon. À quelques exceptions près, beaucoup de gardes suisses qui ont connu Cédric ont refusé de s'exprimer sur cette affaire. Stefan Schneider,
était déjà garde pontificale lorsque Cédric est entré en service. Entre romans, il sympathise. C'est un bon valaisan bien vivant qui avait un caractère, je pense, assez bien trempé, qui savait ce qu'il voulait et puis qu'on remarquait. Donc on aurait pu le mettre dans un groupe, on ne pouvait pas passer à côté de Tornet en fait, on le voyait par sa présence. Et puis le fait qu'on le remarque, ça ne plaisait peut-être pas forcément aux officiers, parce que c'est quelqu'un qui sortait du lot, quoi. Il avait cette tendance peut-être à exprimer tout fort ce que les autres n'osaient pas dire, par exemple. La version Vaticane laisse entendre que Cédric se droguait. Si Cédric s'était drogué, on l'aurait su. Je veux dire, le moindre petit défaut de chaque garde suisse se savait. On était 100 à vivre en permanence ensemble, à dormir ensemble, à manger ensemble, à travailler ensemble, à sortir ensemble, donc tous savaient. On a parlé de son homosexualité. Non, on l'aurait su, de nouveau. C'était être garde suisse, c'est vivre avec 100 frères dont on ne peut rien cacher. On ne peut pas. Et tout se sait. Le moindre petit défaut de chacun. Évoquer l'affaire Tornet suscite bien des résistants. Le commandant n'a pas accepté de s'exprimer. Pas question de troubler cette institution militaire, vieille de 500 ans, qui a ses rites, ses codes. Moi, Alvandier Chatani, je jure d'observer loyalement de moi le foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et ses Saint-Massis. Car derrière ces uniformes se cache une réalité moins colorée, plus sombre, que Cédric a eu parfois du mal à gérer. Et quand on brise la loi du silence, certains préfèrent parler à visage couvert. Le Vatican déjà lui-même est un monde à part. Et la garde dans le Vatican est un microcosme où l'ambiance est très triste et où pour la première fois, j'ai connu un commandant militaire qui favorisait la délation. Mais je peux vous donner un exemple très typique qui était fréquent à la garde. C'est que bon, on pouvait sortir que jusqu'à minuit, alors que la vie à Rome commence à partir de minuit. Et puis, si vous rentiez, vous passiez la porte Sainte-Anne à minuit une, même un garde qui avait commencé en même temps que vous, particulièrement un Suisse allemand, il se faisait un plaisir de vous dénoncer au commandement. C'est un exemple vraiment typique par rapport à la délation. Et puis, on sentait que l'ambiance que cultivaient les Romains, de se faire des fondus dans les champs, d'être joyeux, d'une certaine manière, d'être normal, dérangeait le commandement de la garde. Pour Aloïs Esterman, ce 4 mai 1998, jour du drame, cela devait être le couronnement d'une carrière militaire sans fin. Il est nommé commandant de la garde. Tout a commencé en 1981, le jour où, en plein attentat du pape, Esterman monte sur la voiture papale et le protège comme garde du corps. Depuis cet événement, il fait partie de la garde rapprochée du Saint-Père dans tous ses déplacements. Un poste qui fait de lui un personnage clé. Conformément aux règles internes de la garde, Aloïs Esterman se marie. Il épouse une Sud-Américaine, Gladys Romero. Et après avoir été nommé lieutenant-colonel, il brigue le fameux poste de commandant. Quelques jours avant sa mort, il se présentait. Il y a dans ma vie trois axes. D'abord, je suis un soldat. Ensuite, je suis originaire d'une famille paysanne, et ceci m'a marqué. Et troisièmement, je suis un catholique convaincu et pratiquant. Être un homme de foi, un soldat, un paysan, je crois que cela a beaucoup de choses en commun. Curieusement, Esterman devra attendre 1998 pour devenir commandant. L'homme ne fait pas l'unanimité, ni du côté des gardes, ni du gouvernement suisse, ni de certains milieux catholiques. C'est que le personnage est plutôt rigide. Le lieutenant-colonel Esterman était officier dans l'armée suisse. C'était une personne extrêmement exigeante, très pointilleuse, très froide, où c'est que le dialogue n'allait uniquement que dans le sens du catholicisme, de la foi, de l'engagement, et le reste n'avait aucune importance.
ce qui donnait une ambiance un peu prussienne, comme il se présentait, et que ici, un garde fait son job et se taire. À 44 ans, à quelques mois de sa nomination, Esterman entend faire preuve d'autorité et ne tolère pas le moindre écart de ce valaisan de 23 ans, simple caporal, amateur de soleil et de jolies filles. Voici deux documents inédits. Ils dévoilent la tension qui régnait entre les deux hommes. Irrité par les arrivées tardives de Cédric, le lieutenant-colonel lui écrit une lettre ultimatum en date du 13 février 98. Votre comportement constitue une grave atteinte à la discipline de la garde et menace sérieusement l'image et l'intégrité de la garde suisse pontificale. Vous serez puni d'un jour d'arrêt de rigueur. En cas de récidive, je me verrai contraint de vous licencier sans délai. Signé, lieutenant-colonel Alois Esterman. Malgré les brimades, Cédric Tornet s'accroche à son poste de garde pontificale, car le 4 mai, il sait qu'il va recevoir la fameuse médaille Benemerenti, une médaille qui vient couronner les mérites de tout garde ayant 3 ans de service. Mais ce que Cédric ne sait pas, c'est qu'un mois avant le drame, c'est-à-dire le 6 avril 1998, Esterman écrit à la secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Battista Re. Dans cette lettre confidentielle que nous avons pu nous procurer, Esterman dénonce le comportement de Tornet, jugé indigne d'un caporal. Pour cette raison, le commandant de la garde propose de ne pas octroyer au vice-caporal Tornet Cédric la décoration à laquelle il aurait droit le 6 mai prochain. Nous sommes le 4 mai 1998. Dans quelques heures, vont être connues la nomination d'Alois Esterman au poste de commandant et les promotions des gardes suisses. En service toute la journée, Cédric téléphone à sa mère. Il est 12h35. Il était vraiment super heureux, en pleine forme, et on a parlé calmement et avec beaucoup de joie et d'amour, quoi. Est-ce qu'il vous a parlé de cette fameuse médaille Benemerenti? C'est pas lui qui m'en a parlé, on a parlé de beaucoup de choses. Et à un moment donné, je lui dis, alors cette médaille, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Alors il me dit, mais non, je te dis que je l'ai pas, cette fois c'est définitif. Et puis je lui dis, mais t'as pas de regrets? Parce que même qu'il est sûr de pas avoir, on est toujours un peu déçu si on n'a pas, parce que... On ne dit pas forcément toujours ce qu'on pense. Alors, il me dit non, de toute façon, j'en suis arrivé à un stade, maintenant je m'en fous. Une heure plus tard, Gérard Sapin, garde roman, se souvient d'avoir eu un contact avec son collègue Cédric. Ensemble, ils voulaient faire venir des journalistes à la cérémonie d'assermentation. Il avait donc le projet de faire un article avec le Figaro Magazine. Il m'avait appelé, ainsi que deux autres gardes, comme moi je faisais mon jurement. Et lui, dans sa tête, c'était clair qu'il allait avoir sa médaille. Donc il voulait mettre en exergue la garde à travers cet article. Et puis donc moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 4 mai, à 1h30, et je lui ai demandé des nouvelles, et il m'a dit « Non, j'ai encore pas de nouvelles ». Et puis je me voyais un petit peu préoccupé. Puis il est parti, puis c'est la dernière fois que je l'ai vu, là, quoi. Cédric a terminé sa journée de service. Il est un peu plus de 19h15. Nous sommes à moins de 2 heures du drame. Qu'a-t-il fait à ce moment? Nous avons pu reconstituer son emploi du temps grâce à un témoin clé qui, pour la première fois, a accepté de parler. Il s'agit d'un garde, le dernier à avoir vu Cédric avant les coups de feu. À quel moment avez-vous vu Cédric ce jour-là? Alors Cédric, après la fin de son service, vers 19h30, il est venu dans ma chambre. Là, j'étais avec un autre collègue garde suisse. On buvait un apéro. Il a bu l'apéro avec nous. Après maintes discussions, on lui a dit qu'il n'était pas sur la liste de la médaille Benemerenti. Sur ce, Cédric a tourné les talons et vite descendu à la cantine voir de lui-même cette liste. Et puis,
Ben là, Cédric est parti. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait entre deux. Vers 20h45, il revient dans ma chambre en me tendant une lettre et me disant « Tu la remettras à ma mère. » Là, je lui demande comment faire pour la remettre à sa mère. Il me dit « Ne t'inquiète pas, tu vas la voir tout soudain. » Ça vous a surpris quand même? Ça m'a surpris, d'autant plus que sur lui, il était tout énervé, pas tranquille. Il avait les yeux tout rouges comme s'il aurait pleuré auparavant. Et là, il est reparti. J'ai décidé de le suivre pour voir où il allait. Je ne l'ai pas retrouvé en bas de la caserne. Alors je suis monté sur la place de parc de son véhicule. Là, j'ai vu que son véhicule était toujours là. Donc je me suis dit qu'il devait être encore dans la caserne. J'ai fait retour sur mes pas. Et là, en arrivant devant une porte, j'ai entendu des bruits, comme des bruits de fusil, de coups de feu. La lettre va devenir un élément clé de l'enquête. Voilà ce qu'elle contiendrait. Maman, j'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Cette année, je devais recevoir la Benemerenti, et le lieutenant-colonel me l'a refusé. Après 3 ans, 6 mois et 6 jours passés ici à supporter toutes les injustices, la seule chose que je voulais, ils me l'ont refusé. J'ai juré de donner ma vie pour le pape, et c'est ce que j'ai fait. Je m'excuse de vous laisser tout seul, mais mon devoir m'appelle. Gros bisous à la plus grande maman du monde, ton fils qui t'aime. Au moment du drame, c'est donc ce collègue qui détient la lettre de Cédric. Il est sur le point de sortir de la caserne lorsqu'il est interpellé par le chaplain, c'est-à-dire l'aumônier de la garde. Le jeune homme affolé lui avoue avoir reçu une lettre, sans donner d'autres précisions. Plus tard dans la soirée, là, ils m'ont convoqué dans le bureau du commandant. Il y avait plusieurs personnes, le chaplain, le juge et d'autres officiers, en me disant « Mais qui t'a remis cette lettre ?» Et là, j'ai dit « C'est Cédric. » Or là, pour éviter d'autres problèmes, je suis monté la chercher. Elle était où, cette lettre ? Elle était cachée dans un bouquin. J'ai pris la lettre, je suis retourné dans le bureau du commandant. Là, il y avait toujours le chaplain, le juge et d'autres officiers. J'aurais remis la lettre et ils m'ont dit « On va l'ouvrir pour faire une copie. » Est-ce qu'ils ont ouvert la lettre devant vous ? Oui, ils ont ouvert la lettre devant moi. Et qu'ont-ils fait ? Et là, un officier l'a pris, a changé de salle pour faire une copie. Puis ? Par la suite, ils me l'ont remise dans l'enveloppe, ils l'ont enfermée tant bien qu'ils ont pu, et me l'ont redonnée. Après, je suis reparti dans ma chambre, je l'ai remis dans le bouquin pour la redonner à sa mère plus tard. Quand avez-vous donné cette lettre à Madame Boda ? Ça devait être le 6 ou le 7 mai au soir. Entre-temps, personne n'a eu accès à cette lettre. Entre-temps, personne n'avait accès à cette lettre parce qu'elle était bien cachée. Mais ce témoignage est en contradiction avec la version de Muguette Boda. La mère de Cédric est convoquée le 7 mai par le juge Picardie chargé de l'enquête. Qui vous a remis cette lettre en main propre ? Vous vous souvenez de ça ? C'est M. Picardie qui m'a reçu et c'est lui qui m'a donné la lettre et c'est à lui que j'ai refusé de signer. Si je comprends bien votre histoire, vous avez reçu cette lettre de la main d'un juge Vatican et non pas d'un garde pontifical, ami de Cédric. Alors, comme je suis assise ici, je peux vous dire que je l'ai reçue de la main du juge. Cette lettre, je vois mal comment elle aurait été remise par un garde directement. C'est une lettre. Madame Boda arrive plusieurs jours après le drame au Vatican. Vous imaginez bien que cette lettre est une pièce centrale de l'enquête, qu'elle est nécessairement entre les mains des juges chargés de l'enquête. Comment un simple garde suisse aurait pu conserver par-devers lui l'original d'une lettre aussi importante? Ou alors on est chez les fous. C'est peut-être possible. Mais pour l'instant, il me semble que la thèse de Madame Boda est beaucoup plus crédible. C'est la justice vaticane, en la personne de ses juges, qui a en main cette lettre et qui la remet à Madame Boda le 7 mai, comme elle l'a indiqué. Or, ce détail est de première importance. Car si la lettre a été aux mains de la justice vaticane pendant 3 jours entre les 4 et 7 mai, pour Muguette Boda, il s'agit d'un faux. Au départ, je ne pensais pas que c'était faux. Il ne faut pas oublier que
j'ai affaire à l'Église, en plus au Vatican, donc au premier degré, tout ce qu'on me dit, pour moi, c'est symbole de vérité. Je ne veux pas chercher des mensonges là où il y en a pas. Donc je vais, je me rends chez le juge, et là, le juge me présente la lettre, en me disant, écoutez, regardez cette lettre, c'est la lettre de votre fils, il me tend un papier pour signer et authentifier l'écriture de Cédric. C'était le but, maintenant je peux dire, de la manœuvre. Donc moi je regarde cette lettre, c'est vrai que je voyais des similitudes, mais je ne voyais pas l'écriture de Cédric. Donc je dis non, écoutez, je ne peux pas signer. Alors le père Trouffert à côté de moi me dit, mais écoutez, lisez-la, il faut au moins la lire. Donc je lis la lettre, et puis ce que je lis, de la première ligne jusqu'à la dernière, pour moi c'est aberrant. Donc je dis non, je ne peux pas, je regrette. Ni dans la forme, ni dans rien du tout, je peux vous signer. Comme les graphologues italiens et suisses ont abouti à des conclusions contradictoires, l'avocat de Muguette Boda préfère évoquer un élément troublant qui tend à prouver qu'il s'agit d'un faux. L'un des éléments pour moi le plus flagrant est le suivant. Cédric n'a jamais écrit à sa mère autrement qu'en l'appelant Madame Boda. Mais là, la lettre que l'on nous présente est adressée à Madame Chamorel, qui est le patronyme du premier mari de Madame Boda, et on ne s'explique pas ce fait. Mais quand on creuse les choses, on comprend qu'au Vatican, je ne parle pas de Cédric, mais au Vatican, on ne connaissait la mère de Cédric que sous son patronyme de Chamorel, qui était celui qu'elle portait encore lorsque Cédric a intégré la garde suisse pontificale, car elle n'était pas encore divorcée de M. Chamorel. Autrement dit, le faussaire qui imagine la lettre que Cédric va laisser à sa mère imagine également l'enveloppe qui contiendra cette lettre. Et quand il cherche le nom de la mère de Cédric, il regarde dans les documents de la bureaucratie vaticane et il trouve ce nom de Chamorel que Cédric, lui, n'aurait jamais employé. Donc vous ne pouvez pas comprendre la présence de ce patronyme Chamorel autrement que si cette lettre est un faux. Fort de ce constat, la thèse de Maître Brossolet est celle du complot. Dans une requête de 75 pages, il présente une version diamétralement opposée à la thèse vaticane. Une fois assommé, Cédric est amené dans l'appartement du couple Estorban. Les trois sont assassinés. Cédric est tué d'une balle dans la bouche. Afin de couper court à toute enquête future, le meurtre du jeune homme est déguisé en suicide. Pour dénoncer les contradictions de la thèse vaticane, l'avocat Brossolet s'appuie sur une pièce maîtresse. Une seconde autopsie, pratiquée en Suisse, quand le corps de Cédric a été rapatrié à Saint-Maurice, 5 jours après le drame. Pour la première fois depuis 6 ans, l'auteur de cette autopsie, le professeur Krompecher, a accepté de présenter ses conclusions. Nous avons fait la deuxième autopsie du corps de la victime et nous avons pu déterminer que le coup de feu a été tiré dans la bouche. Donc le projectile a labouré la langue, a passé sous la base du crâne et a pénétré dans la cavité crânienne par le grand trou pour sortir au niveau de l'occiput, vous voyez, où il y a le point de cette aiguille. Pour ce faire, sans briser des vertèbres cervicales, il fallait que la tête soit penchée en arrière. Voici la trajectoire décrite selon l'autopsie du professeur Krompecher, en contradiction absolue avec la version vaticane qui prétend que le jeune homme a la tête penchée en avant, le pistolet dans la bouche. C'est fondamental. Ça remet en cause toute la reconstitution proposée par les autorités vaticanes du drame. Qu'est-ce que les autorités vaticanes nous disent ? Cédric a tué 2 personnes avant de se suicider. Et quand il se suicide, il est dans une position très précise, à genoux, la tête fortement penchée en avant. Pourquoi cette tête fortement penchée en avant ? Parce que la balle qui est sortie au sommet du crâne est censée être celle qui a laissé un impact au plafond. Donc vous avez quelque chose de très précis
qui est complètement invalidée, puisque dès lors que Cédric a la tête, au contraire, fortement inclinée vers l'arrière, la balle n'a pas pu sortir à la verticale vers le plafond, mais a fini sa course bien ailleurs. Donc c'est toute la reconstitution du drame que nous propose le Vatican pour nous convaincre de l'exactitude de sa thèse qui est remise en question et qui tombe, qui s'écroule littéralement. Autre constat, le bas du crâne de Cédric, ce que l'on appelle le rocher, présente une fracture. Pour Maître Brossolet, il s'agit d'un coup que Cédric aurait reçu avant d'avoir été tué. Reste à savoir si l'autopsie du professeur Campbell permet une telle interprétation. Non. La fracture du rocher gauche, qui est située à peu près là, peuvent être la conséquence d'un coup de feu et il n'y a aucun élément en faveur d'un coup sur la tête. Et comment expliquer que le rocher droit n'a pas été touché? Il n'y a rien d'extraordinaire. En cas d'un coup de feu contre la tête, on peut voir des lésions asymétriques, notamment au niveau de la base du crâne. Mais la question fondamentale est de savoir si l'on est en présence d'un meurtre ou d'un suicide, ce que les légistes appellent une auto-agression. Les éléments en faveur d'une auto-agression étaient 1. L'endroit visé est facilement accessible pour la victime. Deuxièmement, l'endroit visé est régulièrement visé en cas d'auto-agression. Et troisièmement, nous n'avons trouvé aucune autre lésion sur le corps qui parlerait en faveur d'une violence contre cette victime. Nous avons également examiné quels sont les éléments en faveur d'une hétéro-agression. C'est-à-dire d'un meurtre. D'un meurtre, donc c'est-à-dire que le coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre. Alors ma réponse est, n'importe qui d'autre aurait pu tirer ce coup de feu, notamment par surprise, éventuellement sur une victime incapable à agir ou une victime qui est consentante. En clair, aujourd'hui, vous n'avez pas tranché. Non, non. Sur la base de la seule autopsie, il est impossible à trancher. Si l'autopsie contredit certains points de la version vaticane, elle ne confirme pas pour autant le meurtre de Cédric. La thèse du complot est soutenue par un juge anti-mafia qui s'est occupé des plus grosses affaires judiciaires en Italie, à commencer par l'affaire Moro. Le juge Imposimato, sous haute surveillance, a eu accès à de nombreux dossiers qui touchent le Vatican. Il a accepté de nous recevoir chez lui. Pour cet ancien magistrat, rompu aux enquêtes délicates, le dossier des gardes suisses n'est pas simple. C'est un cas mystérieux qui n'a pas été résolu parce qu'il y a de nombreux points qui restent à éclaircir. Par exemple, il y a 5 balles et on a retrouvé seulement 4 d'eux. Et en plus, ce qui est troublant, c'est qu'ils ont fait disparaître et donc n'ont pas restitué à la mère tous les documents qui concernent Cédric Tornet et Alois Esterman. Ces documents ont été soustraits, ont disparu, bien que la mère ait le droit à accéder à ces pièces. Mais comment vous expliquer cela? Parce qu'on a voulu étouffer des scandales qui ont éclaté à l'intérieur du Vatican. Moi, je pense qu'Alois Esterman avait des dossiers compromettants qui lui auraient permis de faire chanter beaucoup de personnages à l'intérieur du Vatican. Selon le juge, Alois Esterman aurait notamment constitué un dossier compromettant sur une affaire qui a éclaboussé le Vatican en 1983. Il s'agit de l'étrange disparition d'une adolescente, Emanuela Orlandi, fille de fonctionnaire du Vatican, qui n'a jamais été retrouvée et qui mettrait en cause des personnages de la cité. Un dossier d'autant plus gênant si Esterman accède au poste de commandant de la garde. Complot ou accès de folie d'un jeune homme, peut-on répondre d'une façon irréfutable à cette question? Cet homme est un prêtre, un vaticaniste, comme on dit.
Voilà près de 20 ans qu'il s'occupe de sécurité en relation avec le Saint-Siège, à titre exceptionnel. Il nous explique pourquoi l'affaire Tornet reste aussi mystérieuse. Je crois qu'il est impossible d'éviter l'atmosphère du secret au Vatican. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un secret sur la mort de Cédric. Tout est secret au Vatican. Les choses importantes comme les moindres détails. Toute personne qui travaille au Vatican ou qui collabore avec le Vatican, pour continuer à collaborer avec le Vatican, doit observer cette règle où on ne doit parler de rien. Ni ce que l'on fait, ni qui on connaît. Il doit y avoir une réserve absolue. Ça touche également la garde, où les gardes ne doivent pas dire quel type de service ils feront, qui vient au Vatican en visite. Il y a un secret qui est maintenu dans ses moindres détails. Il y a naturellement plusieurs versions autour du triple drame. Est-ce qu'on pourrait envisager la version du complot? Et à qui profite ce complot? Il faut avoir des éléments forts pour douter des analyses du Vatican. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Et si on retenait possible un complot, de toute manière, ça ne peut pas être un complot qui part du Vatican, mais un complot contre le Vatican. Parce que à payer les pots cassés, de toute manière, au-delà de deux familles brisées, c'est aussi l'image du Vatican qui en a pris un coup très très fort. Et dans une version du complot, mettons qu'elle soit vraisemblable et possible, ce serait un signal très fort donné au Vatican que des éléments extérieurs sont capables d'éliminer quelqu'un à l'intérieur même de la cité et même quelqu'un de très proche du Saint-Père. Mais en aucun cas, comme opinion personnelle, j'imagine, possible et vraisemblable un complot qui partirait du Vatican. C'est absolument ridicule et insoutenable. Ce n'est pas l'avis du juge Imposimato, qui pense que le lieu du drame n'est pas un hasard. È avvenuto dentro il Vaticano perché è dentro il Vaticano che si erano create queste questi intrighi, questi intrallazzi, diciamo questi rapporti che erano difficili. Et puis, comme le drame a eu lieu à l'intérieur du Vatican, l'autorité judiciaire italienne n'a pas pu intervenir, car nous sommes en zone d'extraterritorialité. Par contre, si cette affaire avait éclaté à l'extérieur, ça aurait été de la compétence d'un juge italien. En clair, cela veut dire qu'on a voulu empêcher la justice italienne d'intervenir, de rechercher la vérité, de faire une enquête sur les causes, les mobiles de la mort d'Aloïs Esterman, de Cédric Tornet et de l'épouse Gladys Mezza. Parmi les gardes, est-ce qu'il y en a eu qui n'ont pas cru à la version vaticane? Je pense, mais je trouve aussi qu'il était terriblement dur d'en discuter avec mes collègues gardes suisses, ceux qui sont de retour en Suisse. Il y a aussi une espèce de non-dit. C'est mieux de ne pas en parler, de laisser couler. Et puis voilà, quoi. Mais comment vous expliquez ce non-dit entre vous? Entre nous, je pense que ça vient du fait que ça se passe au Vatican. La vérité, on la saura certainement jamais, parce que c'est le Vatican, et puis on met un mur là-dessus, et puis c'est tout. C'est toujours des discussions sans réponse. La réponse, c'est Cédric qui l'a. Est-ce que vous avez sincèrement encore l'espoir qu'un jour, le Vatican rouvre ce dossier? Honnêtement, je vais vous le dire, ce que je pense au fond de moi. Je pense pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que la version a été écrite avant et pour M. Navarro à minuit, le soir même, le dit. Donc ils peuvent plus se contredire. Pour moi, c'est classé dans un crime d'État. Donc j'ai peu de chance. Mais je continue mon petit bonhomme de chemin. Je veux pas gagner, je veux la vérité. Pour moi, le Vatican me donnerait que leur autopsie de Cédric. C'est tout ce que je leur demande. Sollicité, le Vatican nous a refusé toute prise de position. Et pourtant, il se targue de détenir toutes les preuves qui confirment la thèse du suicide du jeune Valaisan. Il est le seul à pouvoir répondre d'une façon précise à des questions qui restent en suspens. Mais il se confine dans le silence. Pourquoi finalement ne pas ouvrir les dossiers et ainsi permettre à cette femme de faire le deuil de son fils ?
Je crois que la question est justifiée. Mais je vous demande une réponse. Oui, oui, mais voyez, là, vous me mettez un peu dans une situation difficile parce que, encore une fois, je ne peux pas d'un côté affirmer ma confiance dans les autorités ecclésiastiques, de l'autre côté dire qu'il y avait des circonstances particulières et je ne prétends pas de connaître tout. Donc, moi-même, peut-être c'était aussi pour me protéger, et d'ailleurs, je ne voyais pas de quel droit, je n'ai jamais réclamé de voir les dossiers en entier. Au-delà de votre acte de foi pour l'Église, pensez à cette mère. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime qu'elle demande qu'on puisse savoir ce qui s'est passé et ouvrir le dossier, et ainsi faire le deuil de son fils? Oui, je pense que je dois dire oui, parce que si je dis non, on pourrait penser que j'ai quelque chose à cacher. Et moi, comme ça, je n'ai rien à cacher. Simplement, j'ajoute oui, mais j'aimerais donner la parole aussi à ceux qui disent « c'est pas possible », qu'ils s'expliquent pourquoi c'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils refusent de s'expliquer depuis 6 ans. Il est quand même certain que l'intérêt du Vatican aurait été de convier très vite Mme Boda et ses conseils pour leur dire « prenez connaissance d'un dossier » et malheureusement, de ce dossier ressortira pour vous comme pour nous une évidence, Cédric a tué son commandant et l'épouse de ce commandant avant de se suicider. Si tel est le cas, on ne voit pas pourquoi le Vatican, comme cela se passerait dans tout pays, n'ouvre pas ce dossier à Mme Boda. Et récemment, on vient de proposer, mais combien d'années après, réfléchissez-y, à Mme Boda, non pas d'avoir copie du dossier, mais de venir le consulter sans avocat et en présence d'un interprète. Sans lui garantir qu'elle pourrait prendre des notes, on lui dit qu'elle va visualiser ce dossier. Donc, si le Vatican, et je le dis officiellement, puisque vous m'interrogez, si le Vatican est prêt à nous recevoir pour nous montrer ce dossier, qu'il sache que nous viendrons, et que moi, professionnel, si je m'aperçois à l'examen de ce dossier que la vérité est malheureusement celle telle qu'elle est dite par la thèse officielle, eh bien, je n'irai pas plus loin. Mais j'observe pour l'instant que le Vatican ne veut rien me montrer. Muguette Boda, entouré de ses deux filles, se rend souvent au cimetière de Martigny, où repose Cédric Tornet. Depuis 6 ans déjà, presque jour pour jour. Déjà 6 ans. D'un côté, ça passe vite. C'est aussi loin parce qu'on attend toujours cette vérité, qu'on nous la dise, qu'on nous prouve. Mais on pense toujours à lui, comme avant. Avant, on pouvait le voir. Et maintenant, on pense à lui, il est toujours dans nos cœurs. Parce que vous continuez à attendre. À attendre la vérité. Déjà parce qu'il le méritait, il aurait fait la même chose pour nous. Et puis, c'est une façon aussi de pouvoir faire notre deuil parce qu'on en parle tous les jours. Comme ça, on pourrait éventuellement un peu accepter qu'il soit plus là.